Salutations voyageurs! Dans cette vidéo, je vais survivre 200 jours en hardcore en Superflat. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 100 premiers jours en Superflat, et plus généralement fait partie de la série de vidéos sur Minecraft que vous pouvez retrouver ici. Et sans plus attendre, il est temps de s'élever. Bon, cette fois je pense qu'on peut y aller directement. Cette vidéo est sponsorisée par Honkai Star Rail. Ah, au-delà d'être un RPG multiplateforme gratuit dans un setting de space fantasy de fou furieux et créé par les mêmes personnes derrière Genshin Impact, ce qui vient surtout titiller ma dopamine, c'est l'ambiance des combats de boss avec également leur propre lore et surtout la musique, qui vient complémenter parfaitement les moments épiques. Imaginez, vous êtes en train de galérer à combattre un boss trois fois trop fort pour vous, mais vous arrivez tout de même avec de la stratélique à vous en sortir et même à dominer. Les ults commencent à partir des deux côtés et au moment le plus intense du combat, vous entendez ça. Ça avait pas besoin d'être aussi bien. Ce qui explique peut-être pourquoi le jeu a déjà plus de 80 millions de téléchargements en moins de 5 mois. C'est beaucoup. Vous savez déjà ce que ça fait, 1 million l'Armina? Et à l'occasion de la nouvelle version 1.3 apportant avec elle une toute nouvelle version de l'univers simulé, un mode de jeu stratégique avec un aspect roguelike, cette version apporte surtout un tout nouveau personnage 5 étoiles au style insolent, Imbibitor Lunae. Un homme élégant, silencieux, sophistiqué, avec du sang de dragon manipulant ni plus ni moins que l'eau et la vie elle-même. Un puissant DPS de type imaginaire suivant la voie de la destruction comme tout gentleman qui se respecte. Il vient rejoindre les plus de 20 personnages déjà jouables avec leur propre personnalité et histoire. Si tout ça vous intéresse, cliquez sur le lien en description et prenez part à une aventure spatiale épique en monde semi-ouvert, au graphisme qui caresse la rétine et au banger absolu que sont les OST. Utilisez ce code d'échange pour obtenir 50 jets stellaires et commencez dès le départ avec un avantage. Et juste en jouant 7 jours, vous récupérez gratuitement 10 passes spéciaux pour tenter d'invoquer Imbibitor Lunae. Le jeu est bien évidemment disponible sur PC et mobile, et même sur PS5 lors du dernier trimestre 2023. Le lien est en description. J'ai commencé la journée en augmentant le stockage de ma tour à mob quand un slime est venu me saluer pour mon retour. J'ai l'impression qu'il spawn sur ma plateforme à golem et ça ne me plaît guère. J'ai étendu les coffres de la tour et mes soupçons étaient fondés. Bon, il va falloir trouver une solution, cette plateforme est pas si efficace que ça après tout. Mais avant toute chose, on va ranger un peu le camp. Il semble que j'eusse oublié que les slimes s'en fichassent de la lumière. J'ai dallé les poutres mais j'entendais encore des slimes. Le toit, mais c'est bien sûr, ils sont vraiment insupportables, il est plus que temps de s'élever. J'ai passé le reste de la journée 108 et la journée 109 à déplacer tous mes objets, sauf les villageois, dans mon hangar. Enfin, c'est ce que j'aurais fait si j'étais pas interrompu constamment par des dizaines de mobs. Mais regardez ça, ça spawn plus qu'avant. Et j'aime pas ça. J'ai donc enlevé tout ce qui pourrait s'apparenter de près ou de loin à des surfaces spawnables. J'aimerais garder l'usine à golem le plus longtemps possible avant de l'enlever. C'est la seule façon d'avoir du fer en Superflat. Par contre, je ne sais pas comment, mais les slimes trouvent un moyen de spawner dans mes champs. Donc j'ai décidé de les récolter pour ne pas avoir de pertes et voir un peu ce qui se passe. J'ai trouvé les coupables. Regardez-moi ces trous. J'ai continué à récolter les champs jour 111 et 112 et je peux maintenant tout stocker dans mon hangar. C'est à la base que j'étais parti faire, tout stocker dans ma nouvelle antre. Comment ? Je sais plus quoi faire là. Le camp est nettoyé, dans le hangar tout est stocké et la plateforme je dois enlever. C'est donc ce que j'ai fait jour 115, une fois la plateforme retirée j'ai pu calmement penser à la suite. J'ai besoin de marchands vagabonds, mais le problème c'est qu'en faisant en sorte qu'aucun slime ne puisse spawner, aucun marchand ne peut spawner non plus. Donc vu qu'ils ne peuvent spawner nulle part, si je veux en avoir tout en me protégeant des slimes, je vais devoir m'élever. Et pas qu'un peu. J'ai donc commencé la préparation de l'élévation jour 116 en récoltant toutes les ressources de base dont je pourrais avoir besoin. Et une journée à faire bûcheron c'est beaucoup moins efficace quand on n'a pas une forêt à côté. Heureusement la pierre est beaucoup plus facile à récolter. Du coup j'en ai récolté toute la journée. Et j'ai continué jour 118. Oui, je pense que ce sera le bloc principal de la base. Mais, couché. Mouais, par contre c'est pas très rapide. J'ai continué une troisième journée et ce stock est plutôt satisfaisant. Mais ma pioche est fatiguée, c'est le moment parfait pour utiliser tous ces niveaux durement gagnés. Et comme une pioche en diamant c'est super cher, je n'en ai acheté qu'une seule, l'ai réenchantée et ai fait quelques pioches en fer pour combler. Et en fin de journée j'ai eu confirmation de ce que je soupçonnais. Ce sont les Endermen qui ruinent mes champs, permettant aux autres mobs de spawner et de les ruiner encore plus. Il est vraiment temps de s'élever, mais pas sans style. Je fais cuire quelques stacks de pierre pour plus de beauté, j'ai utilisé mes derniers deniers pour une pelle enchantée et de la terre j'ai récolté en attendant la cuisson de mes pierres stylisées. S'il y a un truc en abondance en Superflat, c'est bien la terre. Et une petite piscine pour sécuriser le retour parce que j'ai pas d'élytra. C'est vrai ça? Pourquoi j'ai pas d'élytra? Vu que je n'ai pas de canne à sucre pour crafter des fusées, j'ai complètement oublié l'aspect juste sécurité en cas de chute. C'est un problème pour mon moi du futur. Si haut, si paisible. Base jump? Je suis sûr qu'il y a une métaphore ici. Et sous vos yeux ébahis, les premiers blocs de mon château dans le ciel. Caillou sur caillou, ça prendra pas feu. Je viens tout bonnement de transformer le Superflat en Skyblock, et ça me procure une immense satisfaction. Y a pas à dire, les bases aériennes, c'est vraiment mon péché mignon. Et le premier anneau sera une forêt. Vous allez voir ma petite idée. Et j'ai eu énormément de chance que ça tombe juste, j'ai rien calculé du tout. J'ai continué dans l'absolue tranquillité jusqu'au jour 125 pour un deuxième anneau de forêt. Et oui, le bois reste l'une des ressources les plus renouvelables. Et sans slime pour me harceler, ça va changer ma vie. Je suis d'ailleurs descendu récupérer mes pousses pour commencer les plantations.
C'est lent. Je veux couper du bois de qualité. Par contre, si je me laisse pas de chemin, ça va être compliqué à traverser. J'ai continué l'extension et j'ai eu une idée pendant la construction. Cet anneau sera celui des jardins. J'ai quand même récupéré mes dalles, vu le temps que ça prend à récolter, et c'est dans ces jardins que toute créature pacifique aura le luxe de spawner. Heureusement que la terre est facile d'accès. Poser des blocs au-dessus du vide en hardcore, sans élytra ni totem, c'est étrangement stimulant. Vous devriez essayer. Ils sont peut-être un peu grands, les jardins. Dernière couche de terre pour un immense espace vert. Qu'est-ce que j'aime la tranquillité dans les airs. Anneau terminé. Quand l'herbe aura fini de pousser tout autour, j'y mettrai une barrière pour les animaux et les marchands ambulants. J'ai grand hâte qu'ils arrivent. En attendant, ces arbres sombreront un endroit où pousser. J'ai passé le reste de la journée à récolter ma forêt. Le coucher de soleil sur mes nouvelles terres m'emplit d'une douce félicité. On replante tout ça. Je n'ai pu faire que deux lignes de plus jour 131. Il me faut un ascenseur. J'en ai marre de prendre une demi-journée par aller-retour. Et comme le verre est précieux et que je veux quand même voir à travers, je me complique la vie. Le style avant la praticité. Et effectivement, c'est pas très pratique à faire. Mais ce sera plus beau qu'un bête tuyau en terre. Par contre, sans algues, on va faire ça à l'ancienne. Et jour 134, c'est armé de 132 000 seaux que j'ai placé chaque source d'eau à la main. Et j'ai fait ça jusqu'au lendemain et j'ai terminé au coucher de soleil. Et plus ça va, plus mes champs se font ruiner par les slimes et les endermen. J'ai commencé l'élévation juste à temps. Par contre, la sécurité, c'est pas encore ça. Et je ne serai pas contre quelques richesses non plus. Expédition Portail de l'End. Je veux le connecter à la cité dans le ciel. Oui, je pourrais donner le vrai nom, mais je pense pas que YouTube apprécierait. Et mon cheval est resté sur place, vu que je suis rentré par le portail après avoir battu l'Ender Dragon. Donc c'est à pied que je n'ai pas retrouvé le Stronghold. Parce que mon mois du passé n'a pas jugé utile de noter les coordonnées. C'est donc déçu, et 10% triste, que je suis revenu au camp, qui commence sérieusement à en imposer. Heureusement que ces bons vieux yeux de l'End existent, et ils m'envoient dans l'autre direction, alors que ma forteresse est là-bas. Bon, on va se rapprocher, peut-être que ça aidera. Mais ils veulent pas. Je me suis résigné à suivre les yeux pendant la journée entière et je suis tombé sur un Stronghold deux fois plus large. Bon, pourquoi pas. Maintenant, je suis obligé de récupérer tout ce qui a de la valeur avant d'aller dans l'End. Faut pas me tenter comme ça. Ceci est un item que je ne connais pas. J'ai passé la nuit au-dessus du bastion pour établir un lien de domination sur ce dernier et j'ai continué à looter. J'ai complètement rempli mon inventaire, ouvert le portail et récolté de l'obsidienne pour un Ender Chest. Oh, ce traumatisme n'est toujours pas guéri. J'ai déchargé mon inventaire en 2 secondes, telle une pomme beaucoup trop chère, récolté quelques perles et c'est passé beaucoup trop près et me voilà parti vers les confins de l'infini. C'est toujours aussi agréable. Imaginez essayer de survivre 100 jours ici. J'ai passé la journée à me déplacer au-dessus du vide, mais rien. Et j'ai aussi galéré toute la journée 140, et toujours rien. Et en fin de journée, ah bah c'est pas trop tôt. C'était une forteresse sans bateau évidemment, mais le loot était... Sans oublier les shulkers qui, elles, seront plus qu'utiles. J'ai nettoyé la mini-forteresse et... Bon bah, retour sur les routes. Mais heureusement, les dieux de ce secteur m'ont entendu et j'ai trouvé une forteresse absolument colossale. Et c'est flippant, ça fait un long moment que j'ai pas attaqué ce genre d'endroit avec ce genre de stuff bas de gamme. Mais audace est fortuna tu vas. J'ai combattu aussi fort que j'ai pu et bravé les dangers jusqu'à n'avoir plus rien à manger. J'ai dû me résigner à manger des coarse fruits et... C'est intéressant. J'ai retenté l'ascension le plus prudemment du monde, éliminant les menaces du plus loin possible, et j'ai enfin pu mettre la main sur l'inestimable. Ok, on rentre. J'ai pas mis longtemps avant de retrouver un portail, et cette mission est un succès. Et ce camp est de plus en plus imposant. J'aime ça. Alors, il se peut qu'on ait un problème. J'ai fini par trouver la solution, les laisser en version petit pour saturer le mob cap. Et comme ça, ils sont trop légers pour ruiner mes champs. Et j'ai passé le reste de la journée à ranger mes magnifiques trésors. Recharge de carburant au matin, et il faut vraiment améliorer cette tour à mob. Je voulais continuer à utiliser ces champs, mais je vais devoir en faire d'autres à ma cité volante. C'est une source non négligeable d'émeraude. J'ai enchanté une pelle parfaite et les shulkers vont grandement faciliter les déplacements. J'ai récupéré une shulker entière, vidé un peu les coffres de la tour à mob qui produit beaucoup trop, et en plus d'un hommage à Kimimaro, les os sont surtout une source de blocs blancs illimités, vu que je n'ai pas de citrouille ni de neige pour faire un golem de neige. Ouais, y'a pire comme logique. Désolé, j'ai besoin de votre peau. J'ai créé une autre section dans le hangar pour le loot des mobs. Gamelon serait si heureux d'avoir toute cette poudre à canon, et je peux même pas l'utiliser ici. J'ai passé la journée à tout transférer parce qu'on ne sait jamais, tout est précieux en super flat. Et jour 147, la pelouse a parfaitement poussé. J'ai récolté tout ce qui était récoltable pour maximiser l'espace libre, je veux des marchands. Mais pour plus d'espace, il faut plus de pierres. J'y ai donc passé le jour 148, 149, et les mobs continuent de spawner ici. J'ai récupéré mon dû et commencé l'anneau des fermes. Maintenant que j'ai des ailes, c'est beaucoup moins stressant. L'extension du territoire est de plus en plus longue, chaque anneau est plus grand que le précédent. J'ai commencé à poser les bases de la structure en fin de journée, jusqu'au lendemain, et je vais avoir besoin de plus de bois. J'ai appris, maintenant je mets du relief sur mes murs. J'ai passé un petit moment à réfléchir sur le bloc qui rendrait le mieux, brique, cobble ou bois. Après intense délibération, ce sera brique. Et il faut que ça rentre bien de l'intérieur aussi. Je m'occupe du plus simple en premier. Les coins et les ouvertures, on verra après. Et je commence à avoir un bon rythme, c'est plus fluide. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis heureux d'avoir des élytras. Plus j'avance, plus je me rends compte qu'aucun marchand ne spawn. C'est quoi ça? On dirait pas, mais la surface farmable est immense en vrai. Tout en longueur. Et encore une vie sauvée par les élytras. Et au moment de remonter, l'impensable se produit. Enfin! Et ils vendaient des graines de citrouille et des pousses d'acacia. Par contre, erreur de ma part, j'ai pas d'émeraude sur la plateforme, il faut que je redescende. Et j'ai l'impression qu'il a très envie de disparaître. Pas le temps d'hésiter, je suis immédiatement descendu prendre mes émeraudes pour récupérer ces précieuses marchandises. Et je fus suffisamment rapide pour revenir à temps. J'ai pris tout ce que je n'avais pas les moyens d'avoir autrement, surtout du colorant vert. J'ai aucun moyen d'avoir du cactus en super flat. Et c'est surtout un nouveau type de bois qui s'ajoute. Et une nouvelle ressource à échanger, farmable automatiquement. J'étais fort
heureux et c'est le cœur léger que je suis redescendu faire quelques échanges. Et j'ai enchanté une nouvelle hache. Merci voyageur, tu fus essentiel au développement de la cité. Maintenant meurs et laisse la place à un autre. J'ai mis au défi ma nouvelle hache et j'ai pu tranquillement reprendre la construction. Je pourrais m'habituer à cette paix, la tête dans les nuages, dans une cité bénie. J'ai construit dans une tranquillité absolue jour 161, 162, 163 jusqu'au jour 164, et les murs principaux des deux côtés sont finis. Il manque plus que le verre. Et le toit. Et les coins. Bon, la majorité est faite, on va dire. Après les hauteurs, je me prépare pour les profondeurs. Bonjour messieurs, j'ai besoin de tous les minerais du Nether. Netherite, quartz, or, je prends tout. Et miner à la main dans le Nether est étrange, mais c'est pas déplaisant. Et mes premiers débris anciens. Par contre, on va pas se mentir, c'est sacrément moins efficace que la TNT. Et devant l'inefficacité totale de cette technique jour 166, j'ai décidé de changer ma manière d'agir pour une plus directe, les lits. C'est aussi beaucoup plus flippant. Malgré ça, je n'ai absolument rien trouvé jour 167. C'était vraiment la mort du fun, je n'ai trouvé que 4 débris en une journée complète d'explosion. C'est nul. Et c'était pas mieux le lendemain avec 4 autres misérables bouts de débris à la fin de mes stocks de lit. J'étais si contrarié que je me suis affalé dans mon lit juste après. En plus, pour ne rien arranger, les moutons ne peuvent pas manger d'herbe pour recharger leur laine. Bah oui, si je laisse ne serait-ce qu'un carré, les slimes ne louent pas une occasion de m'envahir. Ça serait bien d'en avoir en haut, mais j'ai pas l'impression que ça va spawner. Bon, j'imagine qu'il va falloir que j'en emmène à la main et... Non. Ok. Je suis en train de tomber. Je n'ai pas mes élytras, j'ai équipé mon plastron dans les mines pour plus de sécurité. Pensant les avoir, j'ai continué à avancer en tombant. Il y a de l'eau à proximité, elle paraît suffisamment proche, mais le peu de contrôle que j'ai sur ma chute rend la manœuvre de sauvetage... impossible. Pas de totem pour m'en sortir, pas le temps de déployer mes ailes. Conclusion, la mort est inévitable. C'est... embarrassant. Salutations, gardienne. Vraiment ? Perdre à une activité humaine, c'est... Une erreur d'inattention. Ça arrive à tout le monde. Ça n'arrive pas à un maître. Cet exil commence à te peser malgré tout. Je le vis très bien. Convocation au conseil numéro 1337, et j'imagine que tu vas... Passe. Ton exil continuera tant que tu ne leur diras pas ce qu'il s'est passé sur Ecclestia. Tu connais très bien les maîtres, tu sais comment ils réagissent. Tu restes l'un d'eux. Que tu le veuilles ou non, la solitude ne vous réussit pas à vous autres. Tu as déjà commencé à fragmenter. Quoi ? Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai plus important à faire. Oh, génial. Ça t'apprendra à ne pas m'écouter.